Salut tout le monde, c'est Gotham et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle série sur Dofus sur comment monter son personnage en solo niveau 200. Cette fois, je commencerai pas du level 11 mais du level 1 dans le tutoriel comme vous pouvez le voir. Voilà, je viens toujours de créer le personnage, j'ai pris ma petite panneau aventurier. Voilà, donc c'est parti, j'ai décidé de faire un Ossa Modas parce que pour moi, à part le Zobal et la Sacrière, c'est l'une des classes les plus faciles à monter. Donc vous allez voir, c'est quand même pas mal pète couille. Parce que vous allez vous rendre compte que dans le tutoriel, ils vont vous donner une panoplie. Le problème, c'est que cette panoplie, elle va faire chier au bout d'un moment. Vous allez vous en rendre compte tout de suite après. Voilà, allez. Donc pour ce qui est de l'Ossa Modas, je ne vais ni le jouer feu, ni terre, ni eau. Mais je vais plus le jouer full invoke. Et aussi JXP x4 aussi, parce que j'ai pas mal de personnages THL sur ce compte. Donc ça sera... voilà, alors là, ça sera jusqu'au level 152, je crois, le XP x4. Donc on a le temps. J'ai aussi quelques Kina, ça c'est... Kama, excusez-moi, j'ai trop joué à Ion. Donc voilà. Là, le truc nous dit mettez la cape. Ok. Donc on équipe toute la panneau. On se fait plaisir, voilà. Prenez tout. Voilà. Ensuite, vous remettez votre panneau aventurier. Correctement, amulette et cap. Voilà, donc ce qui nous permet de conserver quand même notre panneau aventurier pour le reste des combats. Voilà, donc le petit mili milou. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué au Samodas, donc il va falloir que je me remette dans le bain, on va dire. Voilà, par contre, je jouerai en mode tactique. Hein. Ne m'en veuillez pas, c'est juste pour moi. Oh, mon tofu c'est un Roxor, attention, le tofu est un Roxor. Allez, on va se réentraîner, on n'attaque pas, c'est que le tofu qui joue. Oui, bravo tofu. Et un point pour le tofu. Un point, un seul point pour le tofu. Voilà. Donc, comment bien prendre des levels? Je vous conseille d'abord, vous parlez à maître Yakazi qui se trouve ici, vous prenez les trois premières quêtes, vous les faites intégralement, tout intégralement. Puisque j'ai déjà monté un personnage. Alors, faut toujours aller dans le sens. Toujours aller dans le bon sens des personnages. C'est pas dur. Donc, bah oui. Oui, c'est là-bas que je vais aller. Ouais, bah voilà, hop. Vous voyez, la quête apprend vraiment, mais vraiment pas longtemps du tout. Voilà, on continue. On prend le livre. Waouh, je suis des niveaux 4. Ça va vite. Voilà. Donc, pensez surtout à monter vos caractéristiques. Bah, pour moi, ça sera la sagesse. Comme d'habitude, parce que je pourrais le monter full vitalité, mais pour moi c'est que l'XP serait long, très long même. Donc je préfère le monter full sagesse, comme ça je vais prendre des levels, mais à la vitesse de la lumière quoi. Ça va être marrant. J'adore, parce que j'ai déjà monté un petit Ossa Modas une fois que je me suis fait hacker sur le serveur E4. Je l'avais monté 60 et pour moi j'avais l'impression d'être le plus gros Roxor de la planète, c'était horrible. Voilà, du coup, après j'ai quitté l'Ossa Modas, j'ai essayé d'autres classes. Mais maintenant je retourne sur l'Ossa Modas, hein, parce que décidément c'est ce qui me plaît le plus. Hein. Voilà, vous voyez déjà level 5 en même pas 3 minutes de vidéo quoi. Si 3 minutes 30, excusez-moi. Donc ça va vraiment, mais vraiment vite. Hein. Voilà, donc on continue à monter les caracs, ça fait toujours du bien. Donc voilà. Voilà. Allez, cours, petit Ossa. Alors, level 6, j'ai un Dofus qui m'attend à la banque, bien au chaud. Voilà, alors là, vous parlez au Nid, vous venez de la part de Akazi, vous fermez. Parce que sinon les quêtes qu'ils vont vous donner vont être à rallonge. Voilà, et du coup j'aime pas ça, donc ce que je fais c'est voilà. Je leur parle juste, ils auront des quêtes à me donner, mais c'est pas très grave, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour d'un Carnam comme ça. Je descends, je vais par là à la forêt. Voilà, je fais ça. J'avance tout doucement, je prends mon temps. Moi j'aime pas trop me presser. Voilà, j'arrive au canot. Voilà, des canots. À présent je monte. Après je remonte, voilà, de ce côté la prairie. Pour déverrouiller encore un succès. Je me déplace vers les champs. Je descends à la taverne. Voilà, je pars à la pote en un.
Je vais Napanoï quasi. Je ferme. Je me déplace vers la plaine. Ah, mon circuit il est quand même un peu compliqué. Excusez-moi, je reviens. Donc re les amis, voilà, donc je viens de quitter la taverne, je pars vers la plaine. J'avance de deux maps. Ensuite, je descends jusqu'en bas. Je descends. Elle descend. Non, fallait pas la faire celle-là. Voilà, donc je descends tout doucement. Voilà, donc j'ai Rocher du Phénix. Le petit Rocher du Phénix. Voilà, voyez, j'ai débloqué le succès de le truc d'Incarnam. Et maintenant, pour revenir au tout début. Oh non, allez, je reviens à pied. Oups, dommage, bah il va falloir que je le fasse, hein. Tant pis. Je sens que ça va pas être de la tarte. Bah c'est parti, go! Go petit tofu, go! One shot. Le pauvre petit tofu s'est fait one shot. Oh pauvre petit tofu. Mais c'est pas grave, j'ai quand même un peu de rocks. Grâce à la panneau aventurier. Vive la panneau aventurier. Donc pour ceux qui demanderaient, je suis sur le serveur Gouletard. Donc serveur abonné, naturellement. Donc, allez. Vas-tu mourir, petit tournesol sauvage? Voilà. Je suis en train de prendre très cher dans la pomme. Voilà. Donc, tofu à l'attaque. Hop, allez, petite résistance naturelle. Qui fait toujours plaisir. Oui, tofu attaque Beko. Et donc voilà, là j'ai un excellent point de vue sur lui. Donc je lui donne un coup de griffe. Putain, ils ont accéléré la mobilité du tofu. Oh, avant il se déplaçait pas si vite, avant il prenait son temps pour jouer le tofu. Voilà. Donc je ressors avec quelques bobos. Mais voilà. En fait d'ordinaire ce que je fais c'est que je me suicide sur les mobs. Hop hop hop, ça sert à rien ça. Donc. Oh putain, déjà 12 points de sagesse quoi. Donc il est temps de monter son petit tofu. Allez. Notre petit tofu est déjà niveau 4. Hein. Vous vous rendez compte, niveau 4. Et eh oui, niveau 4. Vous allez dire niveau 4, niveau 4. Oui, mais c'est quand même niveau 4. Hein. Voilà. Donc bon, on va continuer sur la forêt. Le pêcheur divin. Vive le bot, hein. Le nom là. Hein. Donc je ne sais pas trop quoi faire comme métier parce qu'en fait je compte m'auto-suffire en, c'est-à-dire sans piocher dans les kamas de mes plus gros levels parce que voilà ça ferait un peu chier mine de rien parce que voilà c'est censé un peu XP solo donc c'est-à-dire achat de stuff par nos propres moyens voilà ouais j'étais paumé je regardais la map. Donc je sais pas trop quoi faire comme métier. Si vous avez des idées, proposez dans les commentaires. On va dire j'ai des idées. Je sais déjà ce que je vais faire. Bon, c'est que proposez si vous avez des idées. Niveau 8 déjà. Oh. Voilà, donc là on fait jusqu'à M éternel. Comme ça on fait, on va voir M éternel. C'est rapide. Et donc là vous allez avoir le droit à la première mort de ce personnage. Eh oui, la première mort. Oui, donc les succès, je ne les prends pas tout de suite, je les prendrai un peu plus tard. Je vous expliquerai tout ça pourquoi après. Moi aussi, je vous ai dit parce qu'en fait, à la banque, c'est à niveau 10, il y a un Dofus Kawot plus 60 qui m'attend. Donc, bah, on va dire autant prendre les succès quand on a un maximum de sagesse pour pouvoir gagner un maximum de points d'expérience rapidement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mieux? Allez, avouez-le. Non, sérieusement. Voilà. Voilà, du coup, petite panneau aventurier que je pense que de garder un bon moment. Ouais, un bon moment. Même un très bon moment, je dirais. Excusez-moi, je suis fatigué. Donc, M éternel, oui. Ouais, voilà. Donc là, théoriquement, on a fini. Mais sauf qu'elle donne une seconde quête. J'accepte, oui. Oh mon Dieu, je viens de mourir. Voilà, donc
Je suis le fantôme de l'Osamodas. Bou, petit Jaffer. Bou. Bref. Ça va. Heureusement que la vitesse de déplacement des fantômes a été améliorée parce que si c'était pas le cas. Ouh là là, mon Dieu. Avant, ils se déplaçaient, mais traînent. Bon. Donc voilà. Donc quand vous êtes en fantôme, vous vous dirigez, vous essayez de trouver une statue comme ça. Voilà, hop. Vous cliquez dessus et vous revenez à la vie. Donc moi du coup il faut que j'aille lui reparler. Allez m'éternel là. Voilà. Allez ça on a la taverne, ok. Oups. Allez. Du balai. Ouais. Donc encore une map en haut. Dès que j'ai rendu ces deux quêtes, je m'attaque à la quête du petit chef de Garbouftou là sur les quais pour avoir un comment dire un 1, 2, 3, je vais y arriver. Une clé du donjon d'Incarnam, donc on part, oui. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, je bats énormément. Donc voilà. Donc on va essayer de passer au moins level 21 dans cet épisode. Ouais, au moins level 21, ça me semble un bon objectif, hein. Donc je pense que dès que je suis level 10, je fais une petite ellipse et je vous retrouve à Astrub. Ben vous, je vous accélérerai la zone où je farme les pioux, parce que oui, farmer les pioux est un peu obligatoire, on va dire, hein. Voilà. Donc là, on vient de se faire 7 kamas, et eh oui. Pourquoi? Il y a écrit 9, mais on vient de se faire 7. Parce que tout simplement, on a acheté la limonade à 2 kamas, si vous vous souvenez, et il nous en donne 9. Qu'est-ce qu'il est généreux, c'est pas possible. Il est très généreux et maternel, hein. Voilà. Du coup, moi, le métier éventuel que je voudrais faire, ça serait bien pêcheur, parce que je suis en train de monter un pêcheur, et je peux vous garantir que niveau Kama, ça rapporte pas mal dès le level 20, hein. Dès qu'on peut commencer à affronter les dévoreurs et tout. Là, ça drop, hein. Ça commence à rapporter, bah oui, parce que dès le level 20, on peut dropper ce qui est Kralamour. On peut déjà attaquer les Kralamour, et si on drop le Kralamour unique, alors là, on se fait. Mais bon, parce que on regarde, à l'HV, tout à l'heure, il coûtait 2,3 millions. Juste le Kralamour unique. Et vous me demanderez pourquoi ça, pourquoi le Kralamour unique? Parce que ça rentre dans le craft du. Voilà. Du voile d'encre. Cap niveau 191, hein, oui. Voilà, donc là après, dès qu'on a fini la quête d'animé, on ferme. Je n'en veux pas. Voilà, donc. Hop. Je vais à la du chef de guerre. Nous, il y a Bûcheron aussi qui est pas mal, mais le problème c'est qu'il faut pas mal de points quoi. Il faut vraiment masse de points, hein. Excusez-moi. Donc. Voilà. La quête du petit chef de guerre. Allez, je peux pas le monter, non, dommage. Mon petit tofu. Il m'aurait tenu compagnie, dommage. Bon bah voilà, go. Ah, génial, c'est le tchal que j'adore ça. Donc. On lui met une petite résistance naturelle. Et voilà. Touc. Il va se faire bouffer tout cru. Ah non, même pas. Bon, je passe, hein. Voilà, il tape à 24 quand même, notre petit tofu. C'est un gros Roxor. Regardez, hop, c'est fini. C'est magique. Regardez, je suis déjà level 11, quoi. Je lui reparle. Level 12. Non, mais abusé, quoi. Donc, je descends tout de suite. Ah! Ah, Astrup, cherchez mon Dofus Kawat et acceptez toute cette panoplie de succès là, vous allez voir, je vais au moins passer level 20, au moins j'espère. Hein. Oh oui, au moins. Hein. Oh, je vais prendre pas mal. Hein. Je vais prendre pas mal. Et vous voyez quoi, j'ai tapé quoi? J'ai tapé 4 mobs. Sans compter les mobs du tutoriel, bien sûr. Hein. J'ai tapé 4 mobs. Les deux tournesols, la rose et le chef de guerre, et je suis déjà level 12 quoi. Mais what the fuck? L'XP est devenu un peu trop simple. Hein.
Je trouve que l'XP est devenu vraiment vraiment simple. En même temps, vous me direz, j'ai XP x4, j'ai tout plein de sagesse. Oui, c'est sûr, ça joue beaucoup, mais... N'empêche que vous pourrez le faire aussi chez vous. Ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps, c'est sûr, mais... Mais vous pourrez le faire sans aucun problème. Ouais, donc j'ai déjà mon tofu niveau 5, quoi, ça. Je m'envole vers Astrid, oui. Donc je ne prends rien comme succès, je ne prends rien. Vive les bottes, hein. C'est n'importe quoi. Moi j'ai peut-être la solution aux bottes, quoi. En Kaba, faites des reboots, des serveurs tous les jours. Tous les jours, un petit reboot, genre hop, comme ça. Un petit reboot. Ou toutes les 2 heures, ou quelque chose comme ça, je sais pas, je dis ça, après je dis rien. Mais ça serait vraiment bien, quoi. J'aurais bien aimé m'équiper d'une Dragon Rose, mais c'est que ça coûte très cher, ils sont à 4 millions ici sur Goultard, donc Dragon Rose, si vous voulez vous faire des kamas, allez-y, commandez un abonnement d'un an et faites vos kamas, quoi. Hein. Ah ouais, j'ai plein de thunes, et regardez, hop. Ouais, j'ai vraiment plein plein de trucs, hein. J'ai des... Regardez, j'ai la puissante ceinture Fulgu, quoi, j'ai des trucs vraiment, 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 vraiment sympas, j'ai du Cralamour ici, ouais, c'est vraiment... Vraiment blindé. Donc, on s'équipe du petit Dofus Kawott. Alors, je monte à combien de sagesse du coup? 126. Allez, on prend tout? Allez, c'est parti, on prend tout. Level 16, quoi. Je suis level 16. It's normal. C'est tout à fait normal, quoi. J'ai 5 points, donc on monte quoi? On va regarder. Ça augmente pas la PO, ça? Non mais ce... Non bah du coup je vais essayer de me trouver des petits groupes de piou là et je vais les faire hein. Ouais ça je vais éviter je vais éviter les groupes comme ça parce que voilà, du coup si je dois faire des piou je vais préparer mon bouffe tout comme ça voilà et donc je vais essayer ce groupe là sous vos yeux. Allez, c'est parti, c'est parti. Il court, voilà. Le plus jeune, il commence avant. Il faut que je m'en éloigne le plus rapidement possible. Utiliser tous les PA. Ok, d'accord. Le bouffetou, le crapaud qui fait plaisir. Voilà. Voilà. Et c'est quand même moi qui me fais focus, quoi. What the fuck. Hop, allez. Oh là là, mais lâche-moi la grappe, toi. C'est pas possible. Voilà, donc, le petit tofu. Voilà, c'est parti. Donc, voyez, j'essaye toujours d'utiliser tous mes PM. Et là, vous allez pouvoir voir l'armée de tofu en action. Alors ça, c'est violent, ça. L'armée de tofu en action, c'est quelque chose, hein. Ça, c'est master. Voilà, regardez, hop, allez, c'est parti. Hop, moins 21 pour toi. Deuxième tofu, il arrive, hop, t'es pas mort, dommage. Mais voyez quoi, c'est vraiment l'armée de tofu. Je l'appelais comme ça parce que c'est tout bonnement débile, quoi. C'est en Coliseum, ça c'est horrible. Si vous, si, bien sûr, je ferai du colis avec ce personnage, hein, c'est sûr même. Voilà, hop, le bouffetou, il est mort. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on continue. Dommage, j'ai fait foirer le challenge. Voilà. Regardez, level 17. J'ai le pic-pic. Ah, mon ami. Donc voilà, on continue doucement, doucement. Donc je vais me trouver un autre groupe et du coup, bah, je vais passer un accéléré. À tout de suite. Thank you.
I am who I say I am. Re tout le monde, voilà, ça y est, je viens de passer level 20, hein, vous voyez, ça a été rapide, hein, j'ai quelques combats de piou et voilà, c'est rapide. Hein. Voilà, donc 139 de sagesse, on récupère 23, bah voilà quoi. Pff. Voilà, du coup, je vous dis à très bientôt les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire sur qu'est-ce que vous aimeriez me voir faire comme métier. Voilà, donc sur ce, on va se quitter sur le bouffetou niveau maximum. Et oui, déjà le bouffetou niveau maximum, j'ai mes deux invocations niveau maximum. Non, le prospect, je vais le monter, mais pas trop, quoi, voilà. Voilà, donc, bisous les amis, je vous aime, à très bientôt.